Bonjour, 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 mes frères et sœurs. Franchement, je sais qu'à cette heure-ci, tout le monde va travailler, mais moi aussi, je vais aller travailler. Je vous salue tous. Ingeta, 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 tout le monde. Vous-même, vous, oui, mais même enfin, vous... je vais parler en français. Ouais, saco. Même si c'est vrai que j'ai beaucoup souffert ces jours-là parce que j'ai été gazé par la police en face. Et euh, c'était pas, pas facile. pas facile. Bon, j'ai encore les yeux euh, qui me font mal, donc je rendez-vous chez l'ophtalmo pour mes yeux, parce que j'en souffre déjà. Bon, c'est pas grave. Pour le Congo, c'est pas grave. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, auprès de nos frères, nos, nos patriotes, auprès de nos, <laughs> nos frères panafricains, euh, nos frères panafricains euh, euh, ivoiriens. Cette vidéo, je le fais pour nos frères ivoiriens. Nos tantes, mes tantes, mes tantines, mes tanti, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit un tout, en tout, un tout, qu'est-ce qui se passe Pourquoi le drapeau ivoirien a été déchiré là-bas Pourquoi est-ce qu'on a saboté le drapeau alors qu'on est ensemble Alors qu'on souffre, alors qu'on souffre de la même chose Et vous voyez les vidéos qui se passent dans les réseaux sociaux où. Les, 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 les Ivoiriens, nos frères Ivoiriens ne sont pas contents après nous parce qu'ils ont vu, il y a quelqu'un un acte malheureux, un acte isolé il y a quelqu'un qui a déchiré le drapeau Ivoirien voilà pourquoi je suis venu là au nom du peuple congolais au nom des opposants congolais comme vous savez tous, maintenant nous sommes des opposants congolais au nom des opposants congolais au régime, je viens demander pardon à nos, à nos frères euh, pan africain euh, euh, ivoiriens. Je viens demander pardon à nos frères ivoiriens pour cet acte qui a été commis sous les Les gens étaient en colère. Et, euh, euh, et euh, les gens étaient très en colère. Donc le drapeau a été déchiré, c'est un acte isolé, c'est un acte malheureux. C'est vraiment pour nos frères ivoiriens. Je viens faire cette vidéo pour nos frères ivoiriens. J'ai co des copines. Euh, je suis entouré par des Ivoiriens des Ivoiriennes. J'ai des amis ivoiriennes. Et ils m'ont interpellé, ils m'ont dit Antoinette, non. Et les amis aussi, euh, garçons ivoiriens, ils m'ont interpellé, ils ont dit en tout. Ils m'appellent comme ça, en tout, en tout. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe On est ensemble. On est ensemble. Qu'est-ce qui se passe Les drapeaux étaient été déchirés. Les mamans, les en tout, les mamans, mes tantilles, mes tantilles, je demande pardon. Partagez cette vidéo. Je viens demander pardon. Je viens demander pardon à nos frères ivoiriens qui ont été touchés par cet acte malheureux, cet acte isolé qui est le drapeau ivoirien a été déchiré. Nous aimons les ivoiriens. <coughs> on s'aime les ivoiriens, on vous aime beaucoup. Vous le savez très bien. Excusez-moi. On vous aime beaucoup les ivoiriens, nos frères ivoiriens. C'est vraiment un acte malheureux. C'est un acte... Euh, euh, euh. Les gens étaient en colère. Les gens étaient très en colère. Partagez cette vidéo auprès des ivoiriens, des étrangers que vous connaissez. C'est un acte malheureux. C'est un acte malheureux. Les drapeaux ivoiriens n'avaient rien à faire là-bas dans les affaires du Congo. Il y a sûrement un fanatique, un fanatique des, 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 des Fali Poupa, qui est venu en concert avec un drapeau ivoirien, alors que c'était un problème congolais-Congolo. Congolo-Congolaise, pardon. Et donc, je viens demander pardon à nos, à nos frères et sœurs ivoiriens. Et ivoiriennes qui ont été touchées par cet acte que le drapeau a été le euh, euh, drapeau, les drapeaux, les drapeaux ivoirien a été déchiré. Donc nous demandons pardon à nos frères ivoiriens. Nous demandons pardon au nom du peuple opposant, au nom des opposants congolais que nous sommes. Comme vous voyez tous maintenant, nous sommes des opposants au régime, des opposants congolais. Nous sommes plus les combattants non, nous sommes les opposants parce que ça a été dit dans le monde entier. Nous sommes des opposants. Donc, de, demandez pardon. Si vous, avez, si vous avez des amis ivoiriens qui ont été touchés par ça, rapprochez-vous d'eux, de, demandez pardon, euh, manifestez quand même votre indina, notre indignation. Nous aimons les Ivoiriens, nous sommes ensemble, nous combattons ensemble, nous savons que vous vivez la même chose qu'au Congo, mais vous ne vous manifestez pas pareil comme nous. Nous, nous manifestons comme ça. Voilà. Nous sommes comme ça, les Congolais. Nous sommes un peuple très gentil, un peuple très gentil. Mais attention un peuple hospitalier. Mais attention, attention à ce peuple-là qui est hospitalier. Quand il se réveille, c'est compliqué. Il n'y a plus retour en arrière. Mes frères israéliens, ils mais Ivoiriens, tanti, mes tantis, mes tantis, mes tantis, Ivoiriens, mes tantis. Ils m'ont tanti, appelé, mes tantis m'ont appelé, et m'ont dit, Antoinette, maman tout, maman tout, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le drapeau ivoirien a été déchiré ce jour-là? Pourquoi j'étais sur place, j'étais là. Vous voyez, je souffre encore de mes yeux parce que j'ai été gazé en face, en face, en face. C'était, je suis tombé, heureusement qu'il y avait des jeunes qui étaient à côté. Ils m'ont mis la crème, ils m'ont mis tout, 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 tout. Ils m'ont pris, ils m'ont ramassé. C'est comme ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Mes frères je vois rien. Mes frères je vois rien. pardon. Pardon. Comme disait, comme on dit nous-mêmes là-bas. Comme on dit nous-mêmes là-bas, mes frères. Pardon. Pardon mes frères ivoiriens, pardon c'est un acte isolé. C'est pas un acte, hello, hello, hello tout le monde, partagez cette vidéo auprès de nos frères ivoiriens. Ça, ce n'est pas... Un... Voilà, c'est une, une vidéo que je viens faire pour demander pardon à nos frères ivoiriens, au SACO, à nos frères ivoiriens qui ont été touchés par cet acte malheureux. Frères ivoiriens, s'il vous plaît rapprochez-vous aux gens qui, de, qui sont fanatiques de, 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 de nos musiciens congolais, des Fali Poupa et autres. Si nous avons nos problèmes, si les Congolais ont des problèmes comme ça avec leurs euh, 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 leur musiciens, ne venez pas avec vos drapeaux. Venez pas avec vos drapeaux, ce n'est pas bon. Quand vous venez avec les drapeaux, même si... Vous, vous êtes en colère, il y a un problème ivoirien qui se passe quelque part et que vous revendiquez pour votre pays. Et nous, les Congolais, on amène notre drapeau dans la foulée comme ça. Vous êtes capable de déchirer aussi les drapeaux congolais. C'est-à-dire, c'est ça. N'amenez pas vos drapeaux dans les affaires comme ça. Qui est-ce qui a amené ces drapeaux-là dans les affaires des de Congolais Tu vois Mais bon, l'acte a été commis. Euh, je demande pardon. J'ai été euh, euh, appelé par mes, mes amis ivoiriens et gabonais. Vous savez que j'ai grandi au Gabon. Et euh, donc voilà, ils ont dit voilà, maman, tout, maman, tout, maman, tout. Faites quelque chose. On demande pardon. Nos frères, arrêtez de faire des vidéos pour nous insulter. On est ensemble. Arrêtez. Nos frères, partagez cette vidéo parce qu'il y a eu un acte qui a été commis. Peut-être que tout le monde n'a pas vu. Moi, j'ai vu, j'étais sur place. Mais les gens étaient très en colère. Et euh, voilà, Il y avait, vous savez bien, vous avez vu, nos soldats dans l'ombre étaient là. Voilà. Et, euh, et euh, voilà. Donc je viens demander pardon à mes copines, à mes copains ivoiriens, mes amis ivoiriens, les Ivoiriens. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, nous sommes de la même. Nous, nous avons le même problème. Nous traversons les mêmes problèmes. En Afrique, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des Africains qui vivent bien aujourd'hui. Non. En Afrique, nous vivons tous la même chose. Voilà pourquoi je viens. Vous partagez cette vidéo. Vous demandez aux, Afri aux, aux Ivoiriens qui sont auprès de vous. Vous leur demandez pardon. Vous dites que c'est un acte malheureux qui a été posé. C'est un acte malheureux qui a été posé. Yves, Monsieur Mbalabo, Ingeta. Donc, euh, euh, donc, les choses ont été faites comme ça. Dites à vos, à vos frères ivoiriens et sœurs ivoiriennes. Dans des problèmes comme ça congolais, pourquoi vous amenez les drapeaux, pourquoi vous amenez les drapeaux euh, euh, ivoiriens Je peux comprendre pour un soutien. Alors dans ce cas, si c'est pour un soutien, il fallait être de notre côté, il fallait être avec nous au fait. Il fallait pas aller de l'autre côté là où il là où y a les concerts. Il fallait être avec nous. Donc vous, vous n'étiez pas avec vous, nous, vous étiez de l'autre côté. Voilà pourquoi la colère est montée, ils ont dit mais n'est pas possible, ces gens-là, ils sont avec nous, comment se fait-il, ils vont se mettre avec les autres. Donc ils sont venus au concert, voilà pourquoi les drapeaux ont été arrachés et déchirés par la colère, par la colère. Donc voilà, rapprochez-vous euh, rapprochez de nos frères ivoiriens et demandez pardon, et euh, demandez pardon et, et voilà. On a boycotté ce concert, ce concert ne pouvait pas avoir lieu. Tout simplement, c'est parce qu'il y, y a une main noire derrière ce conseil, ce concert. Le concert a été boycotté. Nous ne voulons pas de concert. Tout simplement, comme vous le savez très bien. Au Congo, nous avons des morts actuellement. Au Congo, il y a des femmes violées. Le problème du Congo, c'est un problème très grave. On ne peut même pas expliquer ça ici en, en deux minutes. Voilà, Et nous avons boycotté ce concert. Ce concert ne pouvait pas avoir lieu. Comme vous avez vu, le juge, a, pardon, le, le préfet a insisté, mais a insisté que le concert puisse avoir lieu. On est allé vers le juge. Le juge, il est sorti. C'est une délibération d'une demi-heure, mais il a fait une heure, une heure, une heure et quelques pour sortir. Et il sort, on voit sa, la désolation dans son, dans, dans son visage. Et puis après, il s'en va. Après, il s'en va, il dit Nous, votre requête a été rejetée. Voilà. Il y a eu des hommes dans l'ombre qui sont venus. Voilà. Donc ils étaient là, ils attendaient. Et voilà, donc demandez pardon, demandez pardon aux gens, euh, rapprochez-vous des Ivoiriens. Je suis venu juste pour les Ivoiriens. Pour le Congo, euh, vous voyez, il y a moins de vidéos parce que qu'on a des consignes. On, on, on reviendra vers vous. Mais par contre, demandez pardon à nos frères Ivoiriens parce qu'ils sont très en colère. Moi, j'ai été rappelé par les amis parce que j'ai des copines ivoiriennes. J'ai des copines ivoiriennes et ivoiriens. Ils m'ont demandé, ils m'ont dit, en tout, en tout, en tout, qu'est-ce qui se passe? On est pareil, pourquoi vous avez fait cet acte? Voilà pourquoi. Et il y a des vidéos qui commencent maintenant à tourner dans les réseaux sociaux pour parler de, pour nous insulter. Frères ivoiriens, sœurs ivoiriennes, pardon, c'est un acte isolé, c'est un acte regrettable. S'il vous plaît, le drapeaux Ivoiriens qui a été déchiré, rapprochez-vous de tous les frères ivoiriens, demandez aux frères ivoiriens. Demandez à Makoso, ouais. demandez au pasteur Makoso, là on ne sait pas d'où il vient, il prie quoi et qui et qui et comment, on ne sait pas. Lui, il se mêle toujours dans nos affaires, il parle toujours de nous, il, parle, il fait une vidéo pour dire, voilà, Fali pas doit jouer par Ça aussi, retenez ce chien-là, s'il vous plaît, le chien de Makoso-là. Hum, Excusez-moi, je ne veux pas être vulgaire, mais je suis dans l'obligation quand même parce que Makoso a exagéré. Makoso que vous connaissez, je ne sais pas si c'est un pasteur, on ne sait pas d'où il vient. C'est un diable en personne qui vient, qui s'immisce dans le problème du Congo. Je ne sais pas, franchement. Voilà. Donc, retenez Makoso, hein, fermez-lui ça, hein, qui la ferme, et euh, qui ne s'immisce pas dans le problème du Congo. Vous, les Ivoiriens, nous, on a été soutenir Gbagbo jusqu'à la haie. On a été soutenir Blégoudé jusqu'à la fin. D'accord Donc, nous sommes ensemble. Mes tantiers, mes tanti, mes tanti, mes tanti, mes tanti qui m'ont rappelé, qui m'ont appelé. Et mes amis voire, eh, Gabon, Gabonais qui m'ont aussi appelé parce qu'ils savent que j'ai grandi au Gabon. Je connais les. Allô Est-ce que vous me voyez Est-ce que vous me voyez La vidéo a été interrompue parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Balabo, tu me vois Ouais, voilà, ok. Donc voilà. Euh, la vidéo a été interrompue. Je vais, vais m'arrêter là, je vais m'arrêter, je ne vais plus aller loin. Ouais, voilà, ok. Donc, je, je disais que demandez pardon à nos frères ivoiriens, renvoyez cette vidéo à nos frères ivoiriens. Que les opposants congolais, comme vous savez très bien, nous sommes des opposants congolais désormais, vous le savez très bien. Aux, aux combattants, non. Nous avons une. On a été reconnus officiellement dans le monde entier que nous sommes les opposants au régime. Les opposants congolais au régime de Félix Tshisekedi et, euh, et, et Kanam. Voilà. Nous sommes des opposants congolais. Nous avons été reconnus officiellement, vous savez, dans le monde entier. J'ai vu même la Russie à parler de nous, que nous sommes des opposants, opposants congolais. Au nom des opposants congolais, nous venons demander. Nous venons euh, 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 auprès de, de, de nos frères ivoiriens demander pardon. Pardon. C'est un acte malheureux. C'est un acte regrettable. Nos frères ivoiriens, quand nous avons des choses comme ça avec nos, nos artistes, même si vous aimez ces artistes-là, même si vous êtes fanatiques, ne venez pas avec vos drapeaux. Si vous venez avec les drapeaux, ça dit, venez de notre côté, mes frères ivoiriens. Soutenez-nous. Parce que nous vous soutenons. Nous sommes avec vous. Nous venons auprès de vous. Mais quand vous voyez que nous sommes en colère comme ça, vous venez avec les drapeaux ivoiriens, mais de l'autre côté, du côté du musicien. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. J'étais là, ce jour-là. J'ai vu, j'étais gazé. Là, vous voyez, je souffre encore de mes yeux. Je dois voir le phtalmo, le médecin. Parce que les policiers m'ont gazé. En face, après, ils m'ont mis dans leur camion. Et après, je, après, euh, euh, après, quand le, 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 les trucs s'étaient calmés, donc du coup, ils m'ont sorti. Parce que je, je, je gueulais trop, trop, trop fort. Alors, donc, du coup, je viens vous dire, rapprochez-vous auprès de nos frères ivoiriens qui sont très en colère. Ils, ont, ils sont en train de faire des vidéos. Ils sont en train de nous insulter. Euh, on est ensemble. On n'est pas Africain, Nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous en train de vivre les mêmes choses en Afrique. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun Africain actuellement là qui est en train de vivre bien comme il faut. Non. Quand on regarde vers le Maroc, on voit comment les. les, les, les les gens meurent dans, dans, dans l'océan là-bas. On ne peut pas dire qu'on est bien. Nous, on ne peut pas dire qu'on est bien. Voilà. Donc, rapprochez-vous auprès de nos frères ivoiriens pour demander pardon. Je suis venu aujourd'hui juste pour nos frères ivoiriens qui ont été choqués, qui ont été touchés, qui m'ont interpellé sur l'acte qui a été commis euh, euh, le jour de... Euh, voilà, le, à la gare de Lyon. Ils ont parlé que la gare de Lyon, mais il y avait aussi la gare de Bercy. La gare de Bercy, c'était catastrophique encore. J'étais là, la gare de Bercy. Donc, c'était chaud. Voilà. Nous sommes des opposants, opposants au régime maintenant. Nous sommes des opposants au régime. Voilà. Ça a été reconnu dans le monde entier. Voilà. Mes tantes ivoiriens mes tanti ivoiriennes, mes tontons, ils m'ont dit, en tout, en tout, ils m'appellent comme ça, en tout, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe Pardon, pardon, comme on parle chez nous là-bas en Côte d'Ivoire. Pardon des. Pardon des. Pardon des. Nous sommes aussi des résistants aussi. On est nos opposants. On est aussi des résistants. Pardon des. Pardon des. Je demande pardon à nos frères et sœurs ivoiriens qui ont été touchés. Je comprends. Je comprends tout à fait. Mais qu'est-ce que les drapeaux ivoiriens étaient venus faire là-bas dans, dans nos affaires à nous? On était, ces jours-là, tu ne pouvais pas toucher un Congolais comme ça. Ces jours-là, tu ne pouvais pas toucher un Congolais comme ça. Un Congolais, une Congolaise. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Tu ne pouvais pas nous toucher. C était, c était, on était, euh, on était hors, euh, hors personne humaine. Voilà. Hors personne humaine. On n'était plus nous. Voilà. Donc, je viens demander pardon. Pardonnez-nous. C'est un acte isolé. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je demande pardon. Mes camarades m'ont dit Antoinette, il faut que tu fasses quelque chose en tout, en tout, en tout. Voilà, partagez cette vidéo. Nos frères ivoiriens, calmez-vous, calmez-vous. Nous vivons des choses pas possibles dans un pays, notre pays est occupé, notre pays est occupé, et même presque balkanisé. C'est parce que cette diaspora que vous avez vue la dernière fois, c'est cette diaspora qui empêche que notre pays soit pas balkanisé. Vous voyez C'est pour ça. Donc soutenez-nous, venez nous soutenir, nos frères ivoiriens. Soutenez-nous, nous sommes ensemble, nous sommes panafricains. Mais ne venez pas avec vos drapeaux là où nous sommes en train de pleurer nos morts, là où nous sommes en train de les revendiquer pour nos morts, là où nous sommes vraiment en colère pour nos morts. Venez, venez, euh, 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 venez nous soutenir, nos frères ivoiriens, venez nous soutenir, s'il vous plaît. Soutenez-nous. Mais ne venez pas pour aller soutenir les, 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 nos musiciens. Même si vous êtes fan de Fali, même si vous êtes fan de qui que ce soit, nos musiciens, quand vous voyez des choses comme ça, ne venez pas. Vous voyez, ne venez pas, ne venez pas, parce que là-bas nous étions, c'est la vie, c'était la vie ou la mort, c'était entre la vie ou la mort. Vous voyez, vous avez vu vous-même. Nous étions, voilà, c'était entre la vie ou la mort. Voilà pourquoi je viens auprès de mes frères ivoiriens. Pardon, comme on dit chez nous là-bas, pardon, pardon des, pardon. C'est un acte, pardon, c'est un acte isolé, c'est un acte malheureux. Nous les regrettons. Voilà, ils ont dit, ouais, les Congolais n'ont pas fait des vidéos. Pourquoi ils n'ont pas parlé Ils m'ont appelé et je viens de faire cette vidéo. Nous demandons pardon auprès de nos frères ivoiriens. C'est un acte regrettable. Nous demandons pardon. Mais, nos frères ivoiriens, rapprochez-vous auprès de votre frère là. Comment il s'appelle euh, 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 Comment il s'appelle Marcoso. Makoso, là, Makoso, je ne sais pas, il fait des vidéos pour soutenir Fali. Pour dire les Congolais, là, les Congolais, qu'est-ce que vous croyez C'est pas Fali qui peut empêcher les pays d'être comme ça. Fermez-lui sa petite troupe là. Voilà. Fermez-lui. Nous nous, nous, nous savons que l'État français est corrompu. L'État français, c'est une main noire derrière les affaires du Congo. Nous le savons. Mais je ne vais pas le dévoiler ici. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Je viens seulement pour euh, euh, mes frères ivoiriens. Pardon, rapprochez-vous si jamais vous voyez les frères ivoiriens qu'ils arrêtent de nous insulter, qu'ils arrêtent de balancer les vidéos comme ça pour nous insulter. Non, on est, on est ensemble. On est frères, on est ensemble. Nous, c'est comme ça qu'on va gérer les problèmes. Vous voyez, le peuple congolais, quand vous voyez, oui, les Congolais, ils savent seulement danser les dombolos. Ils savent rien. Leur pays, là-bas, est comme ça. Le peuple congolais, c'est un peuple hospitalier. Mais attention Attention, c'est un peuple très patient, mais attention, là on est arrivé au moment de attention. C'est chaud, c'est grave. Voilà. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Partagez cette vidéo auprès des Ivoiriens, auprès de nos frères Ivoiriens, chers Ivoiriens. Si vous, si vous en connaissez, n'hésitez pas. Partagez-le. En tout cas, merci beaucoup. Pour nous, nous reviendrons après. Nous reviendrons après. Demandez pardon. Demandez pardon à nos frères ivoiriens qui sont touchés, qui sont fâchés. Demandons pardon. Demandons pardon. Ce n'est pas... Oui, les peuples africains ont été manipulés, oui. Mais demandons pardon auprès de, de nos frères ivoiriens avec qui on est ensemble. Vous savez très bien, nous soutenons Gbagbo. Quand il y a les procès de Gbagbo, les procès de Blegoudé. Blegoudé, c'est mon... Hein, nous sommes ensemble. On va jusqu'à la haie pour soutenir Ble Goudé. On va jusqu'à la haie pour soutenir Gbagbo. Vous savez très bien, nous sommes ensemble, s'il vous plaît. Calmez-vous, <coughs> arrêtez des vidéos d'insultes, s'il vous plaît. Nous n'allons pas répondre, nous allons répondre par des excuses auprès de vous. Voilà. Merci beaucoup. Et euh, voilà, euh, moi je viens faire cette vidéo juste pour les Ivoiriens. C'est tout, parce que j'ai été interpellé. J'ai des copines, je suis avec des Ivoiriens, des Gabonais. Et euh, voilà. Donc, ils m'ont dit non, 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 un tout, un tout, un tout, un tout, laisse pas des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Partagez cette vidéo auprès de moi-même. Je veux le partager aussi. Vous qui êtes au Canada, partout en Amérique, partagez parce qu'il y a des, des, des frères. Le frère qui a fait la vidéo aussi, qui me l'a envoyé, il est au Canada. C'est un frère qui est au Canada. Et euh, donc, renvoyez. Euh, voilà, partagez cette vidéo, dites-lui que nous sommes, c'est un acte malheureux. Dans des affaires comme ça, il n'y a pas les drapeaux d'ivoiriens, il rien à faire là-dedans. Aussi, il faut dire ça. Ça aussi, il faut arrêter la provocation entre nous, Africains. Il n'y a, a pas, ça n'a pas à être lieu, lieu, là. Non, là-bas, on devait voir seulement les deux drapeaux du Zaïre et du Congo, là. C'est tout. Il n'y a, a pas un autre. Pourquoi il n'y avait pas les drapeaux maliens Pourquoi y avait... Alors que j'ai vu des filles, des petites filles maliennes, des toutes petites filles maliennes qui sont venues... Euh, au concert. Il y, avait, il y avait tout, il y avait tout, des tout toutes des petites filles africaines euh, africaines, tout tout tout. Donc mes frères et sœurs, il voit rien. Pardon. Mais par contre, vous devez dire à Makoso qui fait des vidéos comme ça d'ici euh, ces vidéos à deux balles. Deux balles. On ne sait pas s'il est s'il <laughs> il est quoi. Il est quoi, hum, quoi Makoso là, Makoso c'est un pasteur. C'est quoi? C'est un charlatan? Hein? Envoyez cette vidéo. Moi-même, je vais envoyer cette vidéo à Makoso. Makoso, tu es un charlatan. Makoso, la Côte, la côte d'Ivoire. Tu es un charlatan. Il faut pas s'immiscer dans les affaires du Congo. Comme on dit. Tu veux que je te parle de, je te parle en ivoirien, là? Il faut pas s'immiscer dans les affaires du Congo. Il pas, faut pas voir ça. Il faut pas, Makoso. Makoso, tu la dois la fermer, Makoso. Moi, je suis. Hein, je marche qu'avec les ivoiriens. Je marche avec les B.T. Si vous connaissez les B.T. Moi, je suis bêté. Voilà. Donc, fais attention, Macosso. Tu parles pas de nos, nos affaires. Tu nous soutiens par contre. Si tu veux pas nous un pasteur, un pasteur qui va soutenir le concert de, 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 de Fali. Un pasteur, il dit c'est un pasteur, l'homme de Dieu, l homme de Dieu. Mais il danse. Faut arrêter des aventuriers. Il faut arrêter de nous, de nous embourber dans vos trucs Il Faut arrêter, franchement. Voilà. Dites à ma cause de fermer sa petite, euh, sa petite gueule, là. D'accord Qui ne s'immisce pas dans les affaires du Congo. Et puis, vous, vous retenez nos frères et sœurs quand il y a un concerts comme ça. Ça va se passer toujours comme ça, oh. Ça va pas changer, oh. Ça va pas changer d'air. C'est comme ça. Concert, on sera là. Il y a un concert, on sera là. Ça va toujours se passer comme ça. Donc, faites attention. Dites à aux Ivoiriens qui vont au concert, de ne pas ramener les drapeaux. Pourquoi amener les drapeaux, Ivoiriens Les Ivoiriens, on sait qu'on lutte ensemble. On est ensemble, on lutte ensemble. Comment se fait-il les drapeaux se retrouvent de l'autre côté De Fali ou pas Non Non Hein Non Mais par contre, l'art a été posé. Alors, euh, euh, voilà. Donc, euh, merci beaucoup, euh, ma sœur, gracias, Mélanie. Merci beaucoup pour ta réflexion, ouais. Ouais, ben, il fait la promotion de la musique de Fali qui pervertit le peuple. Exactement, exactement, c'est ça. C'est exactement ça, cette musique-là. Mais je reviendrai plus tard pour cette musique-là. Aujourd'hui, c'était juste pour nous faire du voir, hein. Merci beaucoup à tout le monde qui était là. Merci beaucoup, je vous embrasse. Ingéta, Ingéta, soyons toujours ensemble. Soutenez les actes. Voilà, il y a des choses que nous ne pouvons plus dire devant, devant tout le monde parce que nos vidéos sont suivies. Moi, mes vidéos sont suivies, je vous le dis. Voilà. Une vidéo. Quand je fais une vidéo comme ça, j'ai suivi. ce que j'ai vu, il y a un policier civil qui s'est rapproché de moi. Il dit, mais Antoinette, ah, je me suis. Antoinette. Je dit, vous me connaissez. Il dit, Oui, vous êtes Antoinette. Je dit, oui. Ah, je réagis comme ça, c'est un flic. Je dis, ben oui, c'est moi, Antoinette. Voilà. Je lutte pour mon Congo. Pour mon pays. Il me dit, ben Antoinette, euh, voilà, faites attention, voilà. Faut pas, je dis, je brûle pas, vous voyez, vous voyez là, je suis en train de brûler, je dois le manifester, je dois le, oui, vous avez droit, mais je... donc on était suivi, voilà. Donc nos vidéos sont suivies, il y a des choses on peut pas dire ici. Je pourrais parler en lingala, mais nos frères ivoiriens ne comprennent pas lingala, ils comprennent pas tous lingala. Oui, hein. comprennent, mais ils disent beauté, ça s'arrête là. Mais sinon ils vont pas loin. Voilà. Ok, merci beaucoup pour les ivoiriens qui m'ont compris, partagez cette vidéo, donnez à nos frères ivoiriens, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais me répéter encore, ça ne sert à rien. Partagez cette vidéo. Les Ivoiriens sont fâchés, ils sont, pas, ils sont très en colère parce que leur drapeau a été déchiré ce jour-là à la gare de Lyon. Et c'était même pas à la gare de Lyon là où ça a été déchiré, c'était à la gare de Bercy, parce que j'étais là, sur place. C'était pas à la gare de Lyon. La gare de Lyon était déjà, il y avait son problème, a été réglé. C'était maintenant la gare de Bercy où nous étions là, où euh, le pont a failli euh, tomber. J'étais là, sur place, donc je voyais tout ça. Voilà. Donc, euh, ce n'était pas à la gare de Lyon, c'était à la gare de Bercy, où le drapeau a été déchiré. Ces drapeaux s'est retrouvé de l'autre côté de la musique. Donc, les gens étaient en colère. Voilà. Merci à vous. Partagez cette vidéo. Ingeta Ingeta soutenez l'œuvre. Ciao.